C'est quand même mieux. Voilà. L'autre côté. Ça, on va lui mettre du coup là. J'ai 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je pars un peu blanc-bleu. Tout va bien. Si, il marche, ok. Vu que je compte remettre la rediff du coup sur YouTube, c'est ça que je mange. Voilà. Vidéo dégustation demain, je crois. En plus. Enfin, demain pour moi. Pas pour vous. Donc là. Yahoo, n'hésite pas à me dire du coup si tu m'entends bien et tout ça. Coucou Ibi, coucou Franck. On va enlever les décos de Noël. C'est la larme. Je sais pas par quoi commencer. Merci. Je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par enlever la déco de Noël? Est-ce que je range certains mangas? Ou est-ce que je commence? Mais j'aimerais qu'il y ait un peu voir. Attendre un peu parce que faut que je fasse aussi tout ce qui est figurine que j'ai eu dans le calendrier là. Commencer par enlever les décos de Noël, ça peut être plus logique. Si c'est pas ce qui va intéresser l'opus en plus, donc ça peut être cool. On va déjà séparer le bleu du rouge. J'espère que ta journée s'est... C'est mon ventre qui grogne. J'espère que ta journée s'est bien passée, Franck. Rouge et blanc, rouge et blanc. Hop. Rouge et blanc. Tant qu'il n'y a pas grand monde, hein, ah, pardon. Disons que qu'ici les décos de Noël servent plus à rien. Autant les sortir. Ben moi en fait elles me servent pas non plus parce que en fait si tu veux je viens de finir toutes mes vidéos qui vont sortir en décembre et que demain après-midi je vais filmer des vidéos mais elles vont sortir en janvier. Donc elles ne me servent à rien. Deuxièmement je n'aime pas Noël. Troisième, enfin j'aime bien les décos de Noël et j'aime pas Noël. Et troisièmement, en plus, c'est surtout que je n'aimais pas du tout le rendu parce que j'ai mélangé argent bleu
avec rouge et blanc. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, dès le départ, j'aimais pas du tout ma déco de Noël. Et j'attendais que ça. Et puis, je m'étais dit au départ, je vais attendre le 26, etc. On fera même, je pensais déjà faire un live aussi en même temps. Mais quand je me dis que demain, du coup, je vais filmer des vidéos YouTube qui sortiront en janvier, je trouve que avoir la déco encore de Noël derrière, ça va pas trop ensemble. Oh, on est trois, cool. Journée tranquille, mise à part à la gare pour finir les cadeaux. Ah, à la guerre pour finir les cadeaux, pardon. De Noël dans Bordeaux. Ben, j'y suis allée jusqu'à 14h à Bordeaux. Et c'est vrai que vers 14h, il commençait à y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ça commençait à fourmiller, c'était une horreur. Bleu. On va rester sur le bleu d'abord. C'est suicidé pour ce panda. Il a compris que la vie était nulle, alors il a préféré se suicider. Merde. C'est la bleue. J'ai trop de choses autour, ça me stresse. Et là, il y a trop de bordel. Des trucs que je prends pas le temps de ranger et que après, bah, tu te retrouves comme un con parce que tu dois ranger. Mais si, ça s'accumule en fait. Fait maison, il y a des années. Bon, la tasse, on l'a laissée, de toute façon, elle est tout en là. Hop. Tu vois, j'ai même mis noir et argent. J'ai mélangé trois genres. Une horreur. Une horreur, ma déco. J'ai une notif sur. Ah, pardon. J'ai une notif sur Insta et ça me stresse. D'accord. Bon, c'est rien d'important. Hop là. Qui attrape un tout petit cadeau et qui le fait tomber. Au fait, j'ai toujours ça. Elle est toujours là, la BD. Elle est en bas rangée sur la dernière étagère et elle attend. Je vais peut-être avoir le temps de la lire en début janvier parce que du coup, je me suis dit que la chaîne Hentai, j'allais pas la reprendre avant mi-janvier pour me laisser le temps justement de lire les deux dernières hentai que j'avais à la maison, plus ta brique. Elle est là, je ne l'oublie pas, la petite brique à lire. Oui, faut que je le lise et je le présente. Mais c'est prévu d'être présenté justement sur la chaîne Hentai. Ça, c'est clair et net, je le présenterai. Il y a tellement de choses à lire. Regarde, quand tu vois tout ce que j'ai à lire à cause du calendrier de l'Avent, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Parce que là, officiellement, il me reste 61 jours avant de partir pour la convention Japan Expo Sud à Marseille. Il me reste donc 61 jours et il faut que je demande à Mégane, mais ça sera quand, je pense, pour la nouvelle année, donc dès que le 1er janvier est passé. Faut que je demande à Mégane, slash Anna, plus Hot Manga, une quinzaine, slash vingtaine de mangas. Sachant qu'il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaoi à lire. De chez eux. Tout va bien. Je pense que très clairement, janvier et février, il ne faudra pas s'étonner si ça tourne autour de IDP. Hein. Il se lévite. Ben, j'espère, ça m'arrangera. Mais après, il ne faut pas non plus, j'aime pas lire, tu sais,
de travers ou quoi pour gagner du temps ou des trucs comme ça, parce que si tu dois critiquer un titre, faut que tu l'aies lu correctement et pas lire en diagonale comme certains le font ou quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oula. On ne dise pas que j'ai critiqué les autres. Là, il y a du Noël. Là, il y a du Noël. Voilà. Ah, super. Ah. Voilà. Mon gant qui s'était accroché aux cheveux de EA, tout va bien. Bah, c'est tout. Je pense que j'ai tout enlevé, sauf les deux garlandes. Ça aurait été plus rapide à enlever qu'à mettre. Ça, c'est horrible, par contre. Ouais, on va faire un bonbon. C'est ciao, ciao. Je vais dormir chez ma meilleure amie à Marseille. Elle est à 30 minutes de la convention. Je vais dormir chez Zoé. Et je vais enfin rencontrer Zoé. Je te l'ai pas dit précisément, mais si tu regardes dans Instagram avec les onglets, enfin les alliettes, là, les trucs qu'on peut épingler, la partie événements, il y a toutes les conventions que je fais, que j'envisage de faire, et il y a des points de couleur, je crois que ça doit être violet, pour celles qui sont obligatoires. Et j'ai été pris du coup avec, pour Marseille, j'ai été pris avec IDP, donc du coup Anna, Meyan et Hot Manga. Donc c'est cool parce que comme je lis les trois maisons d'édition, ça serait cool pour faire ça. Donc, mon garde mal rangé. Parce que c'est pas que je fais que 1m53, mais je ne fais qu'1m53. Et ça ne fait pas 1m53. Très clairement. Hop là, il n'y avait rien d'autre. Ça c'est quoi? Ah oui, d'accord, le logo Agatha. Ok, l'autocollant. Ça, on enlève. Voilà. Et voilà. J'ai rien oublié d'autre. La technique de ninja pour faire tenir les guirlandes, pâte à fixe, et les crochets des boules de Noël. Si tu as besoin un jour, je peux te faire loger à Marseille, Nantes, Toulouse et bientôt Paris. Nantes, ça peut être, peut-être, oui. Éventuellement, ça pourrait m'a... Faut que je revoie les dates de la convention de Nantes. Tant que c'est pas en mars. Tant que c'est pas en mars, c'est bon. Faut que je revérifie parce que je sais qu'il y a... je crois qu'il y en a deux dans l'année, la convention de Nantes. Je sais pas où pousser ça. Ouais. Après, il faut aussi que je trouve des boutiques ou des trucs comme ça qui veulent me prendre en tant que vendeur. Mais s'y aller juste en tant que visiteur, ça fait des frais pour rien. Et puis, c'est surtout que c'est ça que je voudrais faire en 2023, en tout cas, c'est être staff en convention. J'en ai quand même quelques-unes là qui commencent. Enfin, là, ça fait depuis. La valeur d'une semaine que Annick te dit aussi pour Annecy. Oh, je note. Et oui, ce que j'allais dire. Oui, là, ça y est, ça fait une semaine à peu près que je commence à avoir quelques annonces, enfin, quelques validations de conventions à droite à gauche dans l'année. Donc ça, c'est cool. Donc là, j'en ai plus besoin, hein, temporairement. Et maintenant, on s'occupe de ça.
Il y a beaucoup. Le seul truc que je me dis, c'est que c'est très intelligent. Je veux tout exposer là. Parce que quand je vais déménager, je vais pleurer. Je suis en train d'écouter parce que j'ai l'impression que soit c'est l'orage, soit c'est le garage d'à côté. Quand tu essaies de tout remettre par série, mais ça va pas. C'est bien. Ça te fait sortir et ça va te changer les idées. Oui. Plus, en plus, le mental au niveau des jours, quand je fais des conventions. Et puis j'aurai moins l'impression d'être une merde. Je servirai à quelque chose. J'aurai un travail. Entre parenthèses, un vrai travail, même si ça compte pas vraiment comme un vrai travail. Enfin bon, chacun voit le truc comme il veut. Mais voilà, ça me. Pour le mental, c'est que bon parce que j'ai fait deux week-ends d'affilée entre celle de Pau et celle de Bordeaux qui étaient les deux week-ends de suite et j'ai bien vu que vraiment c'était bon aussi pour mon mental et pour ma dépression. Quoi. Quand tu veux poser ça ailleurs et que ça veut glisser, c'est pas sympa. Celle-là d'abord. Sauf que Attaque des Titans, ces éditions Pika, je commence à ne plus avoir de place chez Pika. Et de toute façon, oui, je sais que Shoto il devrait pas être là, mais les éditions Kiyun, c'est pas mieux, j'ai encore moins de place. Donc je fais comme je peux. Ah, si, faut que je vous raconte un truc, même si vous êtes que trois là. Mais demain je vais filmer surtout l'ouverture d'un colis que j'ai reçu de la part des éditions Nazca. Parce que je suis en collab officiellement avec eux depuis du coup la deuxième semaine de. Enfin depuis Animasia. Et donc là j'ai enfin reçu le colis avec les mangas. J'ai pas encore ouvert parce que je veux ouvrir vraiment en vidéo et avoir ma réaction en vidéo et puis c'est mieux pour même pour eux. Je suis trop content parce que ça me fait une collab de plus et mentalement aussi c'est tout con hein, mais pour moi ça c'est beaucoup. Ouais. Faire ça au-dessus de rien, c'est pas une bonne idée. Pour Noël, pas de manga pour moi, que du comics et BD. D'accord. Moi j'ai rien demandé du tout. Déjà j'en demande jamais des mangas à Noël à part. Au calendrier de l'avant. Parce que même là aujourd'hui j'ai acheté plein de mangas, c'était pas du tout prévu. Attends. J'arrive pas à le faire sortir. Voilà. Ah voilà. Ouf. J'y arrivais pas. Et quand je dis je me suis égarée, c'est que je me suis égarée. Il y a deux mangas qu'il ne faut pas compter parce que c'est pour faire des toiles. Donc du coup, allez, on ne va pas compter ces deux-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangas et 2 albums de K-pop. Tout va bien. De base, j'étais censée acheter que 2 mangas. Le reste, c'est des conneries. Tada. Ça sent sympa. Je sais pas pourquoi je me suis pris de passion pour ces trucs-là. Pour les étrennes du 1, de l'an. Ah, ouais. Waouh, elle fait, je sais pas si on voit la différence, elle fait tellement petite à côté de celle de Shoto que j'ai acheté en convention.
Mais ça, c'est celle d'Abyssai. C'est chiant par contre leur truc parce que c'est quasiment impossible à ouvrir et donc c'est impossible à réutiliser pour remballer ou des trucs comme ça, donc c'est un peu con. Tout va bien, il s'est juste suicidé. Ah! Hop là! Ah mais c'est Levi! Bah voilà, il a juste voulu se faire remarquer Levi. Ça a l'air d'être de travers ce truc. Sinon, elle se met dans ce sens. Ah bon, d'accord, ça s'enfonce pas plus que ça. Ok. Ça c'est dégueulasse. Puis j'ai une grosse question. Ça, on en fait quoi après? Voilà. Même pour le trier, ça se jette dans quoi? Dans quelle poubelle? Demain, je vais former Enzo sur l'ordinateur pour les infographiques pour qu'il imprime des toiles. Ah, cool ça. Tu me montreras, j'espère. J'espère que tu me montreras ce que tu as fait. Un truc méga chiant à ouvrir. J'ai bien montré, mais je suis sur celui de Goblin Slayer avec la prêtresse, je crois. Ah oui, d'accord. Ok. Non. Alors, est-ce que ça donne? Pour ton plastique, garde-le pour faire des styles de bout de verre pour mettre sur des toiles. Ouais, je suis pas sûre. Ça, c'est de l'acrylique et je sais pas en fait.
Ouais, mais des pochoirs, je sais pas ce que tu veux faire en fait, tu vois. Enfin. Là, t'es la prêtresse, mais c'est tout. Pour attaque des titans, t'as ça quoi, au niveau de la forme. C'est pas. Les bonbons au raisin violet, il n'y a rien à faire, je déteste le goût. Ah, j'avais pas compris. Il y a un qui est plus ultra. Que ça donne. Ensuite, Bakugo. Hop là. C'est dommage qu'ils aient pas fait. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait, par exemple, Choto ou Tuyu. Choto, déjà. C'est quand même le troisième personnage clé de la série. Je me dis que ça doit pas être agréable comme bruit. Oh, on est 5! Bah, bienvenue au. Bah, de toute façon, aux 4 autres personnes que je ne connais pas, parce qu'il y a que Franck qui a parlé pour l'instant. Un petit coucou au moins dans le chat? Non. Tant pis. Je suis en train d'installer les figurines en acrylique que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent, si jamais. J'avais bien un truc là. Voilà. Et il nous reste les deux de Yu-Gi-Oh! Y a personne de motivé juste même pour faire coucou? Non? Bon, tant pis. C'est pas cool. C'est pas gentil, meuf. C'est la merde pour ouvrir. Oh, c'est pas mal ça, j'avais pas fait gaffe. Le socle, c'est la carte dans Yu-Gi-Oh! Ça c'est trop stylé. Alors après, ça se met dans quel sens? Yu-Gi-Oh! Il est devant, il est derrière, il est derrière. D'accord. Ça fait bizarre s'il est derrière, mais s'il est devant, ça va pas. Ah oui, ouais, bon, ça fait bizarre, mais c'est pas grave. En fait, ça va. Voilà. La semaine prochaine, on part au Québec.
dans la famille de Annie, si tu veux qu'on te ramène quelque chose que tu aimerais. Un porte-clés ou un truc comme ça du Québec? Ce que je sais pas si c'est. Voilà, mais ce que je collectionne, sinon, c'est les aimants de frigo. Mais sinon, déjà, juste une carte postale, c'est bien aussi, hein. Enfin, la prendre et. Enfin, voilà, des petits trucs comme ça, mais pas plus, hein. Là, ce que je suis en train de me refaire, c'est de me dire que je vais, pour mon frigo de mon appart, en espérant qu'il soit aimanté, c'est de m'acheter justement des aimants de chaque ville que je vais faire, des conventions manga et tout ça. Oh putain, c'est toujours la merde ça à ouvrir. Ah! Je vais même pas montrer ces Yugi. Donc là, c'est aussi. Ouais, ok. La carte qui est tombée. Parce que ça, et ça rend super bien. Et on va le mettre ici. Voilà. Je sais plus si j'ai d'autres choses à faire. Bah t'as pas de chance parce que t'arrives vraiment sur la fin, Gaziel. Et après, c'est pas grave parce que je vais le reposter là dans une semaine pile sur YouTube. Parce que là, je sais pas quoi faire de plus parce que comme on n'est que 4, enfin voilà, vous êtes 4, que à part Franck, il n'y a pas grand monde qui. Je pars. Ok. Et oui, je disais, sinon, comme on n'est pas beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, je sais pas quoi faire de plus. Donc, du coup, là, je pense que je vais arrêter là. Et puis, de toute façon, je vais reposter ça sur YouTube. De toute façon. Enfin, t'as compris. Par contre, si jamais je relance, est-ce que tu serais comment faire de ça? Tu sais, les trucs, des plaques, des figurines en acrylique. Là, du coup, j'ai mis toutes celles que j'ai achetées, enfin que j'ai achetées, que j'ai eu pour le calendrier d'avant, les deux Yu-Gi-Oh! Les deux Attaques des Titans sont là, les deux My Hero Academia sont là, et Goblin Slayer, elle est ici pour l'instant. Je sais pas comment faire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le replay aussi sur Discord, je suis con. Si tu veux, pour ton frigo, je peux faire un Stitch taille réelle. Peut-être pas taille réelle, taille. Ah oui d'accord, je vois ce que tu veux dire, tu voudrais faire un énorme Stitch qui fait tout le frigo. On verra déjà quand j'aurai déménagé parce que le premier appartement ça sera forcément à meubler. Donc faudrait pas non plus que ça fasse de la merde sur le. Ah ouais sur le côté, pas con. Mais on verra ça quand j'aurai déménagé. Mais merci en tout cas, ça me fait plaisir.